te faut des bandages, des calmants, des antiseptiques. Tout était dans le sac. Je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. Cette pièce a probablement été mise en circulation au Japon, au milieu du 19e siècle. Quelle bonne histoire, Lara. Et salut à tous les amis, c'est Agora, c'était Is. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Tomb Raider. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je vais bien, vous en faites pas. Je suis quand même content de vous retrouver sur Tomb Raider, hein, malgré le fait que j'ai tristement constaté que le lancement de la série se fut très mitigé, mais très mitigé. Mais bon, j'ai commencé, je finis. Voilà. Donc sur ce, nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode, c'est-à-dire l'épisode numéro 4. Oui, l'épisode numéro 4, il y a du monde apparemment. Non, là je suis bien, donc c'est bon. Poursuivons. Donc ici, dans l'épisode précédent, Ross nous a demandé d'aller sur la tour radio. Hey, toi, ne me vise pas avec ce truc. D'aller sur la tour radio pour y placer un émetteur et pouvoir envoyer un message de détresse. Et avec un peu de chance qu'on soit sauvé. Bon, donc du coup, on va faire ce qu'il faut pour qu'on soit libre. Enfin, qu'on soit libre de passer sans difficulté. Non, c'est bon. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, je suis en mode de difficulté difficile. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le voir ici? Oui, ici. Depuis le début du jeu, je suis en difficile. Je n'ai nullement changé. Voilà. Donc, ceci dit, on y va. Bien faire, faudrait que j'assassine le gars qui est là-haut. Voilà, ceci est fait. Donc, on va continuer à assassiner des gens qui sont fort peu recommandables. Pon. 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 Ça survit, il pourra servir quelqu'un. Il a l'air d'avoir grand monde. Et Lara le confirme en se relevant. C'est plutôt pas mal. Je regarde l'heure. Pour pas faire un épisode trop long. Voilà. Bon bah, on va looter, mes amis. On va looter. Il y en a un que j'ai pas trouvé. Où est-ce qu'il est? D'ailleurs, vous m'excuserez, j'ai encore le nez bouché. Mais malheureusement, ça devient... On va dire que ça devient un peu monnaie courante. J'avais pas trop le nez bouché tantôt, mais voilà. C'est triste à dire. J'ai le nez qui se bouge pour un rien. Excusez-moi, ça gratouille. Voilà, au moins ici je peux faire autre chose sans mettre le jeu en pause. Pas comme sur Alien Isolation. J'étais obligé de mettre le jeu en pause pour trois fois rien. Je préfère faire comme ça, c'est plus propre. Artia! C'est très l'orage!
Ça passe là-haut. Une pièce de l'ère Edo, frappée à la fin du XVIIe siècle. Difficile de savoir précisément de quelle épave elle peut provenir. Pour le coup, quand on voit tout ce qu'il y a sur la plage, c'est pas trop étonnant. Ça, c'était bien visé. Et voilà. On a fait le ménage. Paf, paf, paf. Un Odin Pip, c'est une horreur. Ce n'est qu'une chatouille qui est bouchée. Ceux qui ont regardé la série au début, ceux qui regardent en cours de route. Un bunker. Seconde guerre mondiale. Probablement japonais. Donc je disais, si vous aimez tout ça, bah, j'espère que vous aimez toujours. Hein, depuis le début de l'épisode, de la série plutôt. Plouf. Ça gèle. Pour le meilleur ou pour le pire, je suis au service du père Mathias. Quitte à être prisonnier de cette île, autant avoir le meilleur poste. Il m'appelle son premier Solari. Mathias est peut-être fou, mais il est intelligent et dangereux. Il sait des choses sur cette île. Je crois qu'il est notre seule chance de quitter cet endroit un jour. Mathias veille à nous satisfaire. Nous contrôlons les armes et la nourriture. Ce que les tempêtes nous apportent nous appartient et nous décidons du sort des nouveaux survivants. Ceux qui osent se rebeller sont tués. Nous sommes les maîtres de notre propre prison. C'est très glauque. Ouais, ça va. Reste concentré. Tu fais combien sur la nouvelle épave? Une vingtaine. Une épave. Pierre Mathias en a pris une. Pour le tuer, non? Sûrement plus, tu verras bien. Ça sent pas bon. De casser ça. C'est rempli d'essence. Que j'avais fait ça à une époque et je m'étais fait repérer direct. Sans déconner. Pourquoi ils ont besoin de ça? Comment pour le générateur? Pour la tour. T'as entendu ça? Attends, je vais voir. J'ai besoin de renfort. Bon, on s'est fait repérer. Je tiens. C'est pas vrai! Plain. Je me suis pris comme un pied aujourd'hui. J'aurais dû tirer sur le bidon comme je faisais à l'époque. Fuck! J'ai raté mon coup. Allez, Lara! Ouf! C'était pas de tout repos cette fois-ci. Je les ai entassés. Partir à les toilettes. Allez, brûle-moi ça. Voilà. C'est tellement l'habitude d'appuyer sur Shift pour courir. Voilà. L'objectif, c'est aussi de brûler ses bannières. Doum, doum, doum.
qui avait tué. Hop. Donc. No one leave. Hop. Yo. Bah moi je vais adorer te faire péter tout à la gueule. Ça va péter. Bon. Je devrais te laisser souffrir pour ce que t'as essayé de vouloir faire, me regarder mourir. Tue-moi. Je pourrais faire la même chose, mais je vais quand même être sympa. Va en enfer. Va en enfer. Et ben. Donc du coup, on va rechercher du feu. De mâcher ma touche shift parce que ça va finir en touche rémanente. C'est foutu, touche rémanente, je sais pas nous activer, je sais pas ce que c'est. Mais... voilà. Elle est là la bannière. Je crois qu'on a une autre de la pièce avant. Hop. Tintintin. Je crois qu'on a une. Là. Excusez-moi pour mon ébouché, mais bon, je vous l'ai dit, je pourrais pas faire grand chose. Rapport d'expédition. Malgré la perte de deux cargos provoqués par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. La guerre, le seul truc que l'être humain sait faire, on va dire. Déjà encore pire maintenant qu'avant. Comme je sais ce qui va se passer. Maintenant, arrive là ! T'es foutu ! Mais bon, c'était ici, hein. Easy peasy. Ah, campons. Alors, qu'avons-nous dans les compétences? Roblardise. Tolérance à la douleur, ça je prends tout de suite. Là. Ici je ne peux rien prendre de plus. Ici qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est inutile à souhait.
trouver plus de matériaux. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut trouver au début de... jeu pour pouvoir améliorer au plus vite tout le stuff. Excusez-moi. Je change pas de capacité, non, je change en double. Voilà la stabilité de l'arme. Voilà. Voilà, voilà. Suivons nos fouilles. Ce truc, on passe par la fenêtre. Le père Mathias nous libérera. De quoi? De cette île? Peut-être, Lara, peut-être. Fouillons, mes amis, fouillons. Par contre, l'écho est très bizarre. À moi. Voilà, du coup. Allons brûler la bannière qui se trouve là. Ici, il n'y a rien. Alors, est-ce que j'ai tout? Il me manque un document. Un document... et une bannière, mais la dernière bannière, je sais plus ou moins où elle est. Ah là, la dernière bannière. Voilà, je vais éviter de m'avancer parce que c'est là que l'aventure va se poursuivre. Donc du coup, moi je vais partir à la recherche de ce document manquant. Je sais plus où il est exactement, mais on trouvera bien. Cherchons attentivement quand même. Hein. Faisons pas le gros noob. Ici, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Je regarde la carte quand même, par acquis de conscience. Il me manque bien un document, mais je sais pas où il est. Oh, la caisse, j'ai failli l'oublier celle-là. Je fais bien de revenir en arrière, comme quoi. Allez, Lara, baisse-toi. Voilà. Et je suis revenu au début. Donc... ce fut une perte de temps, ma foi, fort sympathique, une fois. Bah, on va continuer à fouiller. Hein. Ah, yeah. Elle a fait quelque chose que je voulais qu'elle fasse depuis tantôt. Ici, peut-être? Non. Ici, il n'y a rien. Paf, 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 paf. Non, ici, il n'y a rien. No one leave. Bon... soit je suis passé devant comme un gros con. Ou alors c'est qu'il est plus loin. Mais me connaissant, je suis sûrement passé devant comme un gros con. C'est un truc qui est déjà arrivé. Hein. Tu passes devant un truc, mais en fait il était là depuis le début. Manifestement, il n'est pas là. Hop là. C'est qu'il est plus loin, alors. Désolé pour cette perte de temps. Alex, tu es là? Oui,
La console est fichue. Merde. Bon, alors il va falloir passer au plan B. Tu vas devoir brancher l'émetteur directement sur le panneau de maintenance. Ok, ça a l'air plutôt faisable. Ouais, mais... Et il va déjà falloir que tu le trouves. Sur ces vieilles tours, ces panneaux sont installés en haut. Enfin, du genre... tout en haut. Encore de l'escalade. Génial. Super. Moi-même, j'ai le vertige. Non, c'est pas mieux. Ah bah, il y a le document. 6 septembre 1982. Je suis seul à présent. Les autres sont morts. Tant mieux. Depuis les falaises, j'ai vu leur embarcation de fortune malmenée par la tempête. Les nuages étaient comme une main au-dessus de l'eau, jouant aux marionnettes avec le bateau. Aucun d'entre eux n'a survécu. J'ai bien observé le ciel. La tempête était très localisée et incroyablement subite. Elle s'est arrêtée aussi vite qu'elle avait commencé. Mais surtout, j'ai senti qu'elle ne frappait pas au hasard. J'ai senti une intention, quelque chose de délibéré. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette île, pas encore. Mais si je veux partir un jour, je vais devoir comprendre ce phénomène. Je dois me mettre au travail. Ok. Je suis à 20 minutes d'épisode, on va continuer un tout petit peu. Je s'arrêtera assez vite parce que j'ai encore le condensé à faire au début de l'épisode. Ça, c'est un truc que je vais essayer de faire au début de chaque série. Mais je ne promets rien. Voilà. Je ne promets rien, mais j'essaye. Ça, ça fait mal. J'espère que ça marchera après tout ça. Elle doit gagner le chauffage, là, tranquille. De la magnifique neige qui vaut le coup. Bon ben, du coup, c'est là-dessus que je vais vous laisser après, pour moi, un tout petit peu plus de 20 minutes de record, non-stop, donc voilà. Je vais enchaîner l'épisode numéro 5, et du coup, moi, je vous retrouve pour cet épisode-là. Donc du coup, si vous avez aimé, petit pouce vert, si vous n'avez pas aimé, pouce rouge et le commentaire pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Ça reste très important, parce que j'en vois qui mettent un petit pouce rouge ou le j'aime pas, tout simplement le pouce noir, mais je dis pouce rouge parce que c'est plus évocateur. Il y en a qui en mettent un, mais ils ne disent pas pourquoi. Donc voilà, c'est des gens qui ne regardent pas jusqu'au bout. C'est... Non, j'aime pas ça. Bon bref, du coup, si vous faites les fous, sortez couverts, et prenez soin de vous, c'était Agonistis pour Tomb Raider. Bye tout le monde!